Alors aujourd'hui, je vais te donner la signification de l'heure miroir. X heure X. Et ouais, j'ai pas envie de recommencer mon intro pour toutes les heures miroir. Donc je vais te donner la signification par les anges, la signification pour ta vie amoureuse, la signification par rapport au tarot de Marseille, à la numérologie et à l'univers tout entier. Si tu vois l'heure miroir 8h08, ça te ramène au chiffre 8 et à l'arcane numéro 8 du tarot de Marseille, qui est l'arcane de la justice. Donc tu vois la justice bien ancrée, tu vois, bien ancrée sur son trône, avec la balance, papa, c'est juste, c'est pas juste. Pareil, la justice, c'est toujours, ouais, la justice, les autres et tout. C'est la justice par rapport à soi. La justice par rapport à soi, quand c'est juste pour toi, c'est juste pour les autres. Et du coup, la carte de la justice aussi, c'est la carte de la matérialité, la carte de l'illimité, ok, de l'abondance matérielle, de l'abondance financière. Si tu fous un 8 comme ça, ok, bon, tu le fous à l'horizontale, ça donne le chiffre de l'infini. Donc la justice, qu'est-ce que cela signifie? Tu tombes sur 8h08, ça veut dire que en fonction de la décision que tu as à prendre, ben, il faut que tu te reconnectes à ta capacité à prendre des décisions qui sont par rapport à ton projet et qui sont créatrices d'abondance pour toi. Aujourd'hui, probablement que tu as peur de trancher, tu as peur de prendre une décision qui va faire la différence. Si tu ne prends pas une décision, si tu ne tranches pas entre le oui ou le non, ben forcément tu vas être dans l'entre-deux, tu ne vas rien faire, il n'y a rien qui va se changer dans ta vie. Donc c'est la carte de la décision qui manifeste l'abondance illimitée dans ta vie, donc l'abondance matérielle, l'abondance financière dans ton business en tant qu'entrepreneur. Ok? Mais si, donc, si tu as un choix à faire et que tu le ressens et que tu vois ça, 8h08, ça valide que tu dois le faire, tu dois prendre une décision par rapport à ça. Si en revanche tu ressens, hein, tu es dans la peur, etc., c'est la peur d'être mal jugé et la peur de faire preuve de fermeté concernant les décisions que tu dois prendre pour toi, les décisions qui sont justes pour toi. Tu ressens que c'est juste pour toi, mais en même temps, tu as peur que ça porte préjudice aux autres ou que ça soit pas juste pour les autres ou que les autres te comprennent pas, etc. Il faut que tu te montres ferme et que tu tranches. Voilà, c'est ça le message aujourd'hui. Si tu as peur de le faire, ben, transforme l'émotion et la peur qui t'empêchent de le faire et fais-le. Voilà. Donc, ramène ça toujours à ce que tu ressens, à l'idée, à la pensée, au ressenti que tu ressens. Si c'est agréable, positif, tu prends une décision, tu tranches en ta faveur, ok? Tu te donnes de l'amour en priorité avant de le donner aux autres et tu t'affirmes à travers ça. Tu veux être dans la fermeté, donc tu es ferme vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres. Et du coup, derrière, ça déclenche de l'abondance. Si tu es dans la peur, bah, tu transformes cette peur et tu reviens à l'équilibre, ok? Tu reviens à l'alignement entre ce que tu ressens, enfin, ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Voilà. Et aussi, oui, 8h08, si tu additionnes les deux, 8 et 8, 16. Je t'invite à aller voir le résultat. Si tu passes à l'action en cohérence avec cette guidance spirituelle, ça ramène à l'heure 16h16, et donc à l'arcane numéro 16. Et j'en parle dans une prochaine vidéo, comme tu le sais. Quand tu vois une heure miroir, quoi qu'il arrive, c'est très important. Parce que c'est ce que j'ai fait par le passé. Je voyais des heures miroirs, etc. Ça m'interpellait. Du coup, je suis allé voir sur les blogs. Je suis allé voir toutes les vidéos YouTube que les autres ont fait sur les sujets. Mais la plupart du temps, ben, lundi noir, lundi blanc, les interprétations diffèrent. Et au final, tu te bases sur une interprétation qui est basée sur la peur finalement. Parce qu'on va te faire miroiter ce qui va se passer dans ta vie, en fait. On te dire, ouais, voilà, si tu as vu cette heure miroir, c'est ce qui va se passer ça. Et attention, fais attention à ça, il y a des gens qui te veulent du mal. Et si tu mets pas en place ça, tu vas te casser la gueule. Ça, c'est toujours, ça pointe du doigt, toujours des choses qui ramènent à des peurs. Okay. Sache une chose, c'est que la plupart des gens qui font ces contenus, ça doit te ramener vers l'achat de leur méthode qui va t'enlever la peur finalement. Donc il y a ça à prendre en compte. Moi, je suis tombé dans le panneau et au final, je me suis aperçu que d'aller consulter les heures miroirs à droite à gauche, ça me faisait plus mal qu'autre chose. J'étais toujours en train de remettre en question ma vie, ce que je faisais, etc. En fait, c'est pas du tout ça le but des heures miroirs. Une heure miroir, c'est un message comme un autre. Il y a d'autres personnes qui peuvent voir d'autres messages. C'est une forme de message spirituel, ok? Et si tu les vois, c'est que, eh bien, probablement que tu as un intérêt fort pour les nombres et que ça te plaît les chiffres au final. Et que ça attire ton attention. Mais le but, c'est de te délivrer un message. Pas un message dans le sens, attention, il va t'arriver ça dans ta life, c'est mauvais. Ou attention, si tu fais ça, tu vas te casser la gueule, etc. Tu dois toujours le ramener par rapport à toi, à ce que tu ressens. Si par exemple, je te donne un exemple. Tu as une idée business. D'un coup, pop, je sais pas, moi j'ai des idées à la salle de sport, j'adore, je vais à la salle de sport, tu vois, je suis solide. Et du coup, je vais à la salle et j'ai souvent des idées.
Donc déjà, je sais que le contexte de la salle de sport me donne des idées en soi. C'est un contexte où je me sens bien, un contexte où j'attire les opportunités, où j'attire les idées, où j'attire les guidances spirituelles. Ok? Mon intuition, je suis débranché du mental, je ne suis pas en train de travailler, je ne suis pas en train de réfléchir, je suis en train de me faire plaisir. La salle, je kiffe cet environnement, je kiffe m'entraîner. Du coup, je suis en mode réception, j'attire des idées. À ce moment-là, j'ai des idées. Ok, quelquefois... Ben, comme je suis un humain, ben, ces idées-là, elles me traversent l'esprit et je ne mets pas de conscience dessus. Et là, je prends mon téléphone ou je regarde ma montre parce que j'ai mon chrono qui tourne. Et là, boum, je vois une heure miroir. Ça peut être 1h01, ça peut être 2h02, ça peut être 10h10, ça peut être... Voilà, je vois une heure miroir. Et là, je me dis, ah, qu'est-ce que je pensais à ce moment-là? J'ai vu cette heure miroir, c'est un message, c'est un signal de, ah, ça, tu dois le conscientiser. Ça, c'est pas de la merde, ça vaut de l'or. Tu l'as négligé, donc reviens sur ce que tu pensais. Ok, je pensais à cette idée. Finalement, cette idée est bonne. Ok, boum. Le message me valide l'idée. Je me sentais bien en ayant cette idée. Je ressens que c'est juste par rapport à moi. Mais je me faisais peut-être pas encore confiance parce que il y avait Pierre-Paul Jacques, entrepreneur marketeur à succès, qui ne l'a pas encore utilisé. Donc, comme on ne doit pas inventer la roue ou réinventer la roue et continuer à faire ce que tout le monde fait pour avoir des résultats parce que c'est ce qu'ils nous vendent. Je sais qu'on t'a vendu ça, et la plupart du temps, quand on te dit il faut pas réinventer la roue, fais ce que je te dis, c'est pour légitimer la méthode. Mais en réalité, toutes les méthodes sont possibles en fait. C'est juste qu'il y a des méthodes qui sont juste pour certains et d'autres qui sont juste pour soi. Le but, c'est que tu découvres ta propre méthode. Donc, ce message t'aide à découvrir ta propre méthode et il te dit, ah, cette idée, elle n'est pas con. Ça vient pas de toi, ça vient de plus haut. C'est une guidance, ok, les idées que tu reçois. Tu la notes sur ton note, tu la notes quelque part et tu l'implémentes, tu passes à l'action. Si tu n'en fais rien, ton idée, ça va pas se matérialiser dans la matière, dans le concret. Donc voilà, ramène toujours l'heure miroir par rapport à toi, ce que tu ressens. Ça te fait du bien, ça te fait plaisir d'avoir eu cette idée. Ok, tu l'implémentes dans ton business, ça va te générer des résultats. Si par contre, tu as eu une pensée erronée de merde, de peur, etc., et que tu vois une heure miroir, eh bien, ça te pointe du doigt la peur que tu dois transformer. La peur qui génère une émotion qui te bloque aujourd'hui dans ta mission de vie d'entrepreneur, probablement. Donc ça te pointe du doigt l'émotion et la peur que tu dois transformer. Si t'es pas capable de le faire tout seul, tu viens voir des personnes comme moi, ok? C'est ce que je fais au quotidien avec les entrepreneurs que j'accompagne dans leur business pour matérialiser plus. Mais c'est un message et ça veut pas dire que tu vas échouer, que c'est la merde, que tu vas t'écrouler. Voilà, fais attention. Les messages de la plupart, c'est des messages de culpabilité, de peur, de culpabilité, ok? Moi, j'utilise pas les heures miroirs pour être dans la culpabilité, dans le manque. La plupart des gens qui sont perchés dans la spiritualité, ils sont dans le manque. Ils gagnent pas un copec, ils gagnent pas d'oseille, ok? Et moi, je veux incarner ce mec qui utilise la guidance spirituelle, non pas par culpabilité et de peur de l'échec et de peur de qu'il m'arrive des choses extraordinairement mal, mais pour me guider, pour des choses qui m'inspirent, des choses qui me nourrissent intérieurement et matériellement. On est dans un monde matériel, on est là pour expérimenter la matière. Donc, les guidances spirituelles, ce sont des moyens d'être guidé sur le chemin matériel pour matérialiser, avoir des idées innovantes. Voilà, si tu es devant moi aujourd'hui, c'est que tu es quelqu'un d'innovant, ok? Tu n'es pas perché, tu n'es pas bizarre, tu es innovant, tu es différent de la plupart des entrepreneurs. Donc, fais de cette part de toi qui est innovante une puissance, une force. Et crois-moi que tu n'auras pas besoin de galérer pour avoir de l'argent, pour être dans l'abondance matérielle. Ok? Voilà, c'était très important que je pointe du doigt ça, que je profite de cette vidéo pour te recadrer un peu, parce que probablement que si tu es sur cette vidéo, c'est que tu pars dans tous les sens, t'es perdu, tu vois des heures miroirs partout, tu sais pas quoi en faire, tu sais pas ce que ça veut dire, tu essayes de les interpréter. Donc comme tu sais pas, tu vas voir des blogs, tu vas lire, tu vas te perdre dans ces choses-là. Reviens à toi. C'est toujours en rapport avec toi, avec qui tu es, avec ce que tu ressens, ce que tu penses au moment où, en synchronicité, tu vois ce message, qui est l'heure miroir. Voilà. C'est une validation en soi. C'est pas quelque chose qui doit te faire peur, en fait. C'est quelque chose qui doit te guider positivement. Okay, la spiritualité, c'est pas, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment horrible, quoi. C'est soit t'es spirituel dans ce monde, et là, t'es spirituel. Alors, l'argent, il faut même pas y penser. Si tu fais de l'argent et t'es spirituel, t'es vraiment une mauvaise personne, tu vois. Donc, tu culpabilises, on te fait culpabiliser sur ça, on te fait, voilà. Ah, l'argent, il faut aider les gens, il faut sacrifier en gros, tu vois. Il faut sauver le monde, sinon on est une mauvaise personne. Spiritualité erronée, les perchés. Moi, j'appelle ça les perchés, les spiritueux, ok? Ces gens-là, ils restent là où ils sont. Ensuite, tu as de l'autre côté les entrepreneurs qui passent à l'action, etc. et qui négligent toute cette part d'intuition, de spiritualité.
Moi, je veux vraiment montrer que les deux sont compatibles et que justement, quand tu associes les deux, c'est là où tu cartonnes, c'est là où tu es dans ta mission de vie d'entrepreneur, c'est là où ça génère des résultats, tu vois. Et c'est pas un hasard. Moi, tu vois, je suis un peu le mec différent du groupe d'entrepreneurs avec qui je suis, mais je sais pourquoi je suis dans ce groupe. Je suis dans ce groupe parce que si j'étais dans un groupe de perchés, ben, je servirais à rien. Je suis dans un groupe d'entrepreneurs qui aiment avoir des résultats, qui aiment avoir de l'argent, qui aiment avoir des expériences matérielles. Et je les reconnais à cette part de spiritualité qui leur permet d'amplifier ça. Je fais pas ça pour être pauvre, en fait. Je fais ça pour gagner de l'oseille et aussi connecter les gens à ça. OK? Connecter les gens à la réalité de la matérialité. OK? Donc quand tu as eu un message, c'est pas juste un message pour faire joli, c'est que ce message doit t'aider à passer à l'action derrière. Si tu passes pas à l'action, si t'es que connecté au féminin et que le masculin, tu n'en fais rien, tu n'auras jamais de résultat dans ton business ou dans n'importe quelle dimension de vie. Parce que l'action fait partie de la matérialisation aussi et de la manifestation. Donc, la guidance spirituelle, tu réceptionnes, tu notes, tu conscientises, tu transformes ce que tu as transformé si c'est pas juste, si tu ressens que ce n'était pas aligné, etc. Et ensuite, tu passes à l'action quand tu t'es transformé et là, tu matérialises. OK? Donc voilà, j'étais ravi de faire cette vidéo pour toi. Si tu me découvres, c'est cool. Tu mets un like, tu partages la vidéo aux gens qui voient leur miroir en question. Si tu veux en savoir plus sur ce que je fais, il y aura un lien dans la vidéo. Tu cliques sur ce lien, tu verras toutes les heures miroirs que je vois qui sont incroyables et que vraiment, là, on peut pas dire que c'est trafiqué parce que même en voulant le faire trafiquer, j'aurais jamais réussi à faire tout ça. Donc moi, je suis un entrepreneur qui matérialise, OK? Je fais pas ça pour le flanc, là, comme la plupart des gens qui font des vidéos sur les heures miroirs, où c'est toujours les anges et l'amour inconditionnel, ok? Non, c'est pour matérialiser derrière, pour avoir un impact dans ta propre vie matérielle et aussi dans le monde, parce que ça ne dépend pas que de toi, ça ne dépend pas que de ta propre vie perso, ça dépend aussi de ce qui se passe autour de toi, parce que quand tu réussis matériellement, tu peux impacter les autres autour de toi. Donc au travers de ton business et les clients que tu vas accompagner, que tu vas aider, que tu vas transformer, tu vas avoir un impact. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'active la vraie mission de vie des entrepreneurs, ok? Les gens qui savent plus où ils sont, etc. Ils savent pas quel business créer, ils savent pas qu'est-ce qu'ils viennent foutre sur cette planète et quel business ils peuvent créer pour impacter leur vie et les autres, ok? Les gens qui vont avoir accès à leurs produits et services. Et ils viennent me voir, ok? J'active ça en eux et ensuite ils matérialisent très rapidement. Si tu veux savoir pourquoi, comment, etc., je t'invite à lâcher prise là-dessus parce que c'est pas quelque chose qui se comprend, c'est quelque chose qui se vit et il faut l'activer avec moi. Il faut venir me voir, ok? Si ça t'intéresse, il y a un lien sous la vidéo, il y a plusieurs liens. Le premier lien, ça te permettra de voir les heures miroirs, etc. et de commencer à voir comment faire pour commencer à activer ta vraie mission de vie d'entrepreneur et te servir de ces heures miroirs pour toi et non pas contre toi et non pas pour culpabiliser et penser que ta vie, elle est déjà tracée. Tu as une part de décision. Ta responsabilité, c'est de décider. Quand tu décides, tu manifestes ce que tu veux. Si tu décides en fonction des peurs, tu vas manifester ce que tu ne veux pas, le manque, la peur, en fonction de ce que les gens vont te dire. Ils vont te foutre des croyances dans le cerveau avec leurs interprétations de merde. Et toi, tu vas avoir peur et tu vas flipper et tu vas générer ce qu'ils t'ont dit. Et oui, comme ils t'ont inséré la croyance de ce qui va se passer, eh bien, inconsciemment, tu l'attires dans ta vie. Okay? Et moi, je ne veux pas ça. Je veux que tu reprennes la responsabilité de ta propre vie. Tu peux décider. Tu as ton libre arbitre. Ok, il y a des blocages, il y a des émotions à transformer, il y a des choses à guérir sur le chemin, mais c'est pour que tu deviennes meilleur, c'est pas pour te foutre au ras du sol ou t'enterrer vivant. Ok? Donc voilà, j'ai kiffé faire cette vidéo. Donc si tu veux faire partie d'une communauté, d'un mouvement d'entrepreneurs riches matériellement et spirituellement, eh bien tu me rejoins, tu t'abonnes à ma chaîne, tu likes la vidéo, tu la partages autour de toi. Tu peux la commenter aussi, tu peux me donner ton avis. Et si tu vois les heures miroirs, si tu vois cette heure miroir, en quoi ça fait écho par rapport à qui tu es? Quelles sont les idées, les choses qui te viennent à ce moment-là? Ça te permettra de le conscientiser et ça te permettra ensuite de le conscientiser et de passer à l'action, de t'engager vis-à-vis de ça. Donc, si tu conscientises que ce soit des idées ou que ce soit des peurs, tu peux me les partager dans les commentaires. Et sinon, je te souhaite le meilleur d'ici là. Et j'espère que ma vidéo t'aura réveillé là, parmi toutes les vidéos que tu as vues à ce sujet, que tu auras vu qu'il y a une autre possibilité, une autre façon d'interpréter ces choses au-delà de la culpabilité et de la peur, mais plus pour être inspiré et pour aller vers quelque chose qui t'apporte de l'abondance dans ta vie, aussi bien intérieurement, spirituellement que matériellement.